Le truc, c'est qu'on ne sait toujours pas où aller. Bah, on va regarder avec ces trucs ici, hein. De toute façon, c'est. On n'a pas le choix. On va une fois tout descendre. Je sais pas ce que ça va faire, mais bon. Si on essaie de passer. Ah, là, je pense qu'on peut passer. Ouais, on a de la chance. Bon, ah, du coup, on a l'avantage, c'est qu'on se retrouve de l'autre côté maintenant. Et notre fameux truc doit se trouver par ici quelque part, si je me trompe bien. Si je me trompe pas, je devrais dire. Parce qu'il avait précédemment dit dans le A, il me semble. Donc le A, c'est ici. Et bien évidemment, vous le voyez en surbrillance, donc il y a d'énormes chances que ça soit ça. Bon, ok, en bas. Et en fait, il n'y a rien du tout. Si? Ah, utiliser le bouton. Qu'est-ce qui va se passer avec ce bouton? Moi, je veux bien, mais. Alors, si on utilise le bouton. Ok. Bon. Eh ben, on va relever. Un détecteur, ok. Et. Ah! Déjà, il n'y a plus de courant. Là, c'est déjà une très bonne chose. Si bien qu'elle soit là. Bon. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Bon. Et si on faisait ça? Verrouiller. Je veux le monter, le bazar. Bon, ok, on peut que le monter, que le descendre. Ok, bon. C'est pas grave, on va continuer. J'ai pas tout compris, mais c'était bien. Ah, là on a quelque chose. Voilà. On l'a enfin, notre composant de notre ascenseur. Ça a été fastidieux, mais c'est déjà ça. Alors. Du coup, je ne sais pas du tout si je dois repasser au même endroit. Bon, ça me semblerait logique. Ah. C'est logique qu'il y ait un alien aussi, tiens. C'est bizarre ça. Bon, on va se cacher. Je suis désolé, je vais faire ma flippette. Mais je vais aller me cacher. J'ai bien trop peur. À moins qu'il vienne me bouffer. Ça, c'est encore une autre solution. Ok, la camelote, elle est prise. Génial. Bon. Ok. Finalement, en fait, c'est encore pire que ce que je croyais. On est dans un cul-de-sac. Ouais. Pardon, excusez-moi. C'est encore pire que ce que je croyais. On est dans un cul-de-sac. Génial. Bon, là, c'est pas grave, on va. Donc repasser comme je l'avais dit initialement. C'est pas grave, on va se faire ça tranquillement. Par contre, je devrais recharger. Voilà, c'est fait. J'ai rechargé ma lampe torche maintenant. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est maintenir la touche triangle pour recharger notre fameuse lampe torche. Alors, tout droit. Tout droit comme ça, genre tout droit par là. Ouais, tout droit par là. Et après, par ici, ouais. Bah ouais, bien évidemment, ouais. On va réparer notre ascenseur, donc c'est bien l'emplacement de l'ascenseur qu'il faut se mettre. Bon, par contre, j'aime pas ça vibre. Mais alors, pas du tout. J'espère que tu n'es pas là. Petite alien, je ne t'aime pas. On va pouvoir sauvegarder aussi, l'avantage de repasser sur un point de sauvegarde. Enfin, tout près aussi. Ouf. Au pire des cas, on est déjà dans le coin. Si ça se passe mal, pack de recharge, on en a patate. On va remplacer ce fameux cylindre. Franchement, moi j'aurais pas été fou de mes doigts. Mais bon. Tiens. Allez, on se dirige maintenant vers la centrale des fluides.
Nous y sommes. Bon, encore un point de sauvegarde. On va le faire, encore, hein. Trouver la sortie vers la centrale des fluides synthétiques. Ok. Ça fait beaucoup de sorties quand même, hein. On est... Ouais, merci. On est en plein... Ouais, on est en plein dedans. C'est un truc de fou. Ouais, tout bouge. Super, c'est un alien. Oh oh, il y a du monde là-bas. Oh les cons. Oh les cons. Génial. J'ai comme l'impression qu'ils vont me voir. Ah ouais, ça. Bien évidemment, dans le genre discret, j'étais là, hein, comme on dit. C'est pas grave, je vais les tataner direct quand ils sortent. Tac. Et tac. Tiens la chambre. T'as pris cher, hein. Bon, par contre, j'ai pas l'impression que l'alien soit loin. C'est là le problème. Ok. Restons calmes. Soyons positifs. On va pas mourir. Proceed to evac. Donc déjà là, ça veut tout dire. Ça veut dire... voilà, ça va sauter. Là, on a quelque chose pour partir. Que popum, je voulais pas partir, bon c'est pas grave, tant pis. On passera ici donc dans ça ici. Alors ici, on va découvrir un petit peu ce qui entoure et ce qui compose ces nouveaux locaux. Donc on est dans Sixon synthétique. Donc l'usine peut-être de production de droïdes. Ouais, on doit être, ça doit être ça. Trouver la sortie. Ok. Bon. Eh ben, allons-y. Cherchons peu, mais cherchons bien. Voilà. Ok, donc là, on a une porte reception. Donc, accueil. Ah, mélange B. Je prends ça. Ok, ramasser détecteur G. Donc j'ai bien cherché sur les cadavres. Il n'y a pas de bouton appuyé. Hein, comme on sait qu'ils aiment bien les boutons, ces gaillards. On va aller voir par là. Maintenant. Donc on a Sixton Synthetics. Control Center Left. Synthetics Fleet Plant Gauche. Aussi Left. Left veut dire gauche, bien évidemment. Alors ici, génial. Qu'est-ce qui se passe ? Torche à plasma requise, donc ce n'est pas pour nous. Ah, qu'est-ce qu'il y avait là? Je suis parano. Ah, 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 puissance faible, ok. Donc, je vous parie tout ce que vous voulez. Qu'il va falloir. Je sais pas si c'est par ici. Hein. Si, ce serait ici. Ce serait fort quand même. Vers la centrale de fluide. Non, là on est vers la tour Skimède. Donc, ça doit certainement pas être ici. J'espère que je me trompe pas. Et là-bas, est-ce qu'il y a des portes? Est-ce que j'aurais raté des portes? Il n'y a pas l'air, hein. Administration. Là je l'ai fait. Ah, attendez, j'ai peut-être, je dis bien peut-être, raté une porte ou quelque chose dans le genre. Ouais, il y a des portes mais elles sont inopérantes. Ok, bon, on va y arriver. Et si j'allais vers la tour Skimède, tout simplement, je sais pas, j'ai comme l'impression c'est beaucoup trop facile en fait. C'est comme trop ouvert pour pouvoir accéder jusque là. Je me pose la question sincèrement si ce serait pas par là. À moins que dans ma fuite ici, j'ai dû rater porte. Ça me semblerait bizarre aussi. Hein. On va quand même prendre en compte. On va tout prendre en compte. Hein. Bon là, c'est d'où je viens. Là-haut.
Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. Parce que là, pour une fois, sur la carte, ils sont pas précis. Ils nous disent pas par où on peut passer. Hein. Bien évidemment, ça aurait été trop facile. Et c'est à mon avis pour ça qu'ils l'ont pas fait. Bon, et ben je vous propose d'aller jusqu'à la tour Skymède. Tout simplement, on va voir. Ouais, on va aller voir ce qu'il en retourne là-bas. Peut-être tout simplement que c'est par là. Voilà. Non, il n'y a pas d'ordi allumé. On va grimper tranquillement. Et on verra ce qu'il nous dit une fois arrivé à la tour Skymède. Tout simplement. Il faut peut-être revenir plus tard par ici avec, avec un meilleur équipement, peut-être, tout simplement. Ouais, ça me semble assez logique que c'est par ici, hein, parce que... Voilà, sinon ils auraient désactivé le... Comment dire? Voilà. Et voilà, on a donc notre objectif qui est mis à jour ici, donc c'est aller à la gare de transit de Skymède. Médical scientifique, bien sûr. Alors, tomorrow, no together, future. D'accord. Semblerait qu'il y ait des gens assez dérangés dans la zone. Utiliser le levier. Bah ouais. Si on est tellement habitué de devoir utiliser des trucs assez spéciaux, des appareils pour ouvrir des portes, des combines, des cartes. Là, non. Un levier, ça me semble plus que délicat. Ah. Alors, où sommes-nous maintenant? Ouais, ok. Il faut qu'on aille à la gare de transit de Skymède. On va y aller donc. Incessamment, sous peu, promptement. À mon avis, qu'il va falloir, voilà, utiliser le synthoniseur. Bien sûr, sur la route, ils vont quand même nous mettre des petites difficultés. Sur la route. Et vous voyez que j'ai toujours autant de mal à assembler 4 petits dessins. Moi, les hiéroglyphes, c'est pas pour moi. Ah, là-bas, je vois. Je pressens une carte. Ouais, actualiser la carte. Voilà. Alors. Ok. Bon, là, pour le moment, on est bien. C'est sur la droite, tout simplement. On n'a plus qu'à aller passer au Subway, prendre un petit sandwich. Stranger will be... Ah. Je vous avais formellement interdit d'atterrir sur la station. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas entendu votre message. On pensait que vous seriez... Hey. Identifiez-vous. Ripley, je viens du Torrens. Relax, Ricardo. Qu'est-ce qui se passe ici, Marshall? Où sont les forces de sécurité? Juste sous vos yeux. Ah ouais, d'accord. Ça annonce la couleur. J'ai vu la créature. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Quelque chose amené ici par Marlowe, le capitaine de la Nessidora. Vous dites que le vaisseau qui a trouvé la boîte noire a également trouvé... Est-il encore un endroit où on soit en sécurité ici? La créature se balade et les synthétiques de Sixon ne sont pas très coopératifs. Androïde de merde. Ripley. Bah tu m'étonnes qu'elle a besoin de la malheureuse. Oubliez le centre de soins. C'est une zone condamnée. Il y a une unité d'assistance respiratoire au QG. Alors allons-y. Ah ouais. Et on va prendre un sandwich ou quoi? Alors, il faut qu'on utilise le transit pour se rendre en panne. La salle de contrôle des transits. Allez à la salle de contrôle des transits. Samuel, vous êtes ingénieur. Allez donc vous rendre utile. Comme c'est vous qui avez fait foirer le piège. Ouais. Qui avez fait foirer le piège. Non mais merci quoi. Non mais allô quoi. Et c'est ça, on en reparlera plus tard, Waits. Protégez-les pendant que je suis pas là, compris? Pendant que je ne suis pas là. Ouais, ouais. Ricardo verrouille sa fréquence radio pour qu'on reste en... On va à nouveau sauvegarder. Alors, c'est ici, mais c'est la prochaine, à gauche. Là. Pas très rassurant, son truc. Et alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ici, sur la gauche, ok. D'accord, il y a un levier. Bon, on va retirer la tâche. Ça, vous savez, c'est bidon maintenant. C'est pas quelque chose qui nous fait peur. Elle, à gauche. J'étais parti avec le L en bas. Une simple petite habitude. Appeler l'ascenseur, voilà.
Vers le contrôle des transits, voilà. Pour le moment, on s'en sort bien. On va devoir aller chercher, ou je sais pas, trouver un moyen d'assister Taylor qui, elle est quand même assez bien dans le coltard. Alors, on est ici. Alors, attendez. Ok, réactiver le transit sur la console principale. Jusque là, on sait faire ça. On va aller voir ça tout de suite pour aider notre petite Taylor. Parce qu'elle a quand même besoin de nous. Ça, c'est indéniable. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Désactiver le verrou. Merde, d'accord. Merci, génial. On reviendra quand ça ira mieux. Ok. Bon, il y a ce fameux verrou. Activer le courant de secours. Ça sent... Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde. Génial. Bon, là-bas, je pense, ouais. On a quelque chose ici. Utiliser le levier. R2, R2, bon. Paf. Patate. Ah, c'est quoi ça? Oh. Non, mais je suis ton pote. Paf. Tiens. Bon, j'étais pas vraiment ton pote, mais c'est pas grave. Fallait pas te le dire. Pas tout de suite en tout cas. Par contre, ce qui fait pas nos affaires, parce que du coup on a quand même relativement fait du bruit en tirant comme un autiste, nous et lui. Bon, j'espère que l'alien n'est pas dans le coin parce que ça lui fera assez plaisir. Alors il y a 3 verrous de sécurité à désactiver. Ah, j'en ai déjà trouvé un. Alors, il faut trouver les 2 autres. Si j'ai bien compris le concept. Là, il y en a un deuxième, a priori. Voilà. Toc, 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 toc. SMS. Ouais, réactiver le transit sur la console principale. Ouais, c'est bon. Oh. Ah, il est là, ce droïde. Ah, la con. Tais-toi. Bon, on va reculer. On va le laisser gentiment faire son truc. Oh putain, j'ai fait de la merde. C'est pas grave, on va faire comme si c'était bien. Oh, c'était trop bien mon move. Il était trop fort, quoi. Oh putain, il veut pas se battre non plus. Boum. Ah si, enfin si, il veut se battre, mais il me fait mal. Tiens. Bon, vous avez vu qu'on a quand même utilisé relativement beaucoup de munitions pour ce droïde à la con. Super. Tout ça pour une recharge de lampe torche. C'était pas beau la vie. Ça valait le coup d'être fait quand même. Alors. Ok, retourner à la gare de transit. Ouais, super, merci, ouais. Fumigène inventaire plein. Montez, j'ai eu quelques soucis, il va me falloir un petit moment pour revenir. On peut attendre. Va Taylor. Je prendrai la prochaine voiture. À vous de voir. Ok. Bon, bah tout simplement, on va faire un petit demi-tour. On va revenir en arrière parce que je vois qu'il y a un plan sur la carte. Donc on peut le voir qui est symbolisé ici, vous voyez, en noir. Un petit cube noir, on va dire ça comme ça. Donc il faut que je le trouve. Je sais pas si c'est un plan ou si c'est une amélioration. Donc bien évidemment, il va pas falloir, c'est sur la droite je crois.